Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo vite fait par rapport à celle que j'avais faite donc dimanche soir. Et en fin de compte, regardez, et ce que j'avais annoncé, le niveau ici, j'avais dit qu'il fallait vraiment le marquer sur les 12390.5 qui était donc le POC des 500 jours en volume sur le volume vertical ici. Et regardez ce qu'il a fait hier. Voilà, il est venu monter, il a tapé ce niveau-là, on l'a dépassé de 6 points, mais pourquoi ça correspondait, regardez, à la petite zone de single qu'il y avait ici. On est venu taper pile poil cette zone de single-là, d'ailleurs ça, c'est ce qui a refait la zone de single d'hier, la queue de vente donc d'hier. Et on est venu donc, voilà, et regardez ce qu'on a rejeté derrière, boum, après ce niveau-là. Voilà, plus de 100 points, hein, puisque 390.5, et on est descendu à peu près ici, donc 285, et en gros, il y a plus de 100 points de retracement sur ce niveau. Donc là, il y avait vraiment, hein, j'avais annoncé que c'était vraiment un niveau qu'il fallait surveiller. Malheureusement pour moi, ben voilà, j'ai vraiment pas de chance. C'est que je le dis, mais je ne le fais pas. C'est que je ne serai pas le lundi, donc malheureusement, je ne les ai pas devant. Et c'est dommage d'ailleurs parce que ça a eu lieu, je crois, dans la matinée, hein. Donc vers 9h30, 10h, je crois. On va regarder d'ailleurs. Hop, il a eu lieu. Pouf, à 10h pile, voilà. Donc, j'étais pas là, de toute façon, parce que moi je ne fais que le gap, mais bon, comme je ne fais même plus le gap, j'ai juste regardé hier un petit peu, dire bonjour à ceux qui traînaient le lundi sur Discord, et puis voilà. Voilà, que j'ai pas grand chose d'autre. Donc maintenant on va attendre, on va laisser faire, on va voir ce qui va se passer par rapport aux autres niveaux que j'avais annoncé ou aux zones. Il y a une zone qui s'est refaite ici, une queue de vente et une petite queue d'achat hier ici. Donc il faut en tenir compte aussi. Hein. Voilà, ça fait les niveaux. Je vais vous montrer par rapport au market profile. Hop là. Voilà, on est ici. Donc, la queue ici de ventre, 12381. Attends, je vais la mettre en grand. Voilà. 12381 ici pour la zone basse. Et 12397, voilà, pour la zone haute. Et attention, c'est 80. Parce que celle-là, c'est 96.5. Donc, c'est à peu près le même niveau. En gros, 96 ou 96.5 là. Ah oui, ça c'est un autre niveau, c'est pas ça. Voilà, donc en tout cas, voilà ces niveaux-là à surveiller sur la queue de vente d'hier, évidemment. Quand on va revenir dessus, si on y revient, bon, il y a des chances quand même aujourd'hui, sauf si on reste vraiment inside day. Et ici, la petite zone, petite queue d'achat donc d'hier, qui est de 12295.5 à 83.5. Voilà, et avec celle du bas, évidemment, qui était déjà donc à surveiller ces zones-là. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite, hop, je remets ça là-haut. Là, ouais, ben, qu'est-ce qu'il me fait allez, viens là. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez regardé le Nasdaq hier soir. C'était vraiment de la boulette. Voilà, je n'en dirai pas plus. Le savent ceux qui étaient. Allez, sur ce, bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.